Une pensée fort charitable. Ou est-ce que Jack Crawford vous a chargé de me cajoler une dernière fois avant que vous soyez tous deux déchargés de l'affaire? Non, je suis venu de moi-même. On va finir par croire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Anthrax Island. J'ai vraiment apprécié cette touche d'humour noir. Une idée à vous? Oui. Oui. Amusant. Dommage pour cette pauvre Catherine, non? Tic-tac, 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 tic-tac. Vos anagrammes ont faibli, docteur. Faust fédéral. Sulfate de fer, autrement dit, l'or du pauvre. Oh, Clarisse, votre problème, c'est que vous ne vous amusez plus de rien dans la vie. À Baltimore, vous me disiez la vérité, monsieur. Je vous en prie, continuez. Vous avez tout le dossier, je pense. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans ces pages. Dites-moi lesquelles. Qualité principale, Clarisse, la simplicité. Relisez Marc Aurèle et demandez-vous à chaque instant comment sont les choses, quelle est en fait leur véritable nature. Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez? Il tue des femmes? Non, ça n'est qu'une incidence. Quelle est sa première motivation? À quel besoin se sent-il contraint d'obéir? La colère? La société? Le rejet perpétuel? Trop de frustration sexuelle? Non, la convoitise. Voilà sa vraie nature. Et d'après vous, où commence la convoitise? Cherchons-nous les choses à convoiter? Faites un effort, répondez-moi. Non, nous commençons... Non, nous commençons par convoiter ce qui nous entoure. Ne sentez-vous jamais un regard se poser sur votre corps? Et votre regard s'attarder sur ce que vous désirez?